Alors, l'historique de cet aménagement remonte d'un appel à projet par la SNCF, Mille et Une Gares. Et donc, nous avons souhaité candidater de manière à pouvoir installer un prestataire, notamment loueur de vélos, puisque au sein de notre communauté de communes Loches-sur-Touraine, nous avons un vrai axe de développement au niveau du tourisme qui est l'itinérance. Donc c'est grâce à ce projet, cet appel à projet Mille et Une Gares de la SNCF que nous avons pu obtenir, nous avons candidaté et nous avons été retenus pour pouvoir installer ici un loueur de vélo. À Loches, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'offre de demande de location de vélo. Voilà, donc nous on est implanté à Tours historiquement et depuis 2005 on essaye d'ouvrir des agences le long de la Loire. Voilà, Loches était une occasion de pouvoir augmenter notre offre dans le sens où Tours-Loches c'est pas très loin. Donc on avait déjà des demandes sur Tours pour venir visiter le coin le Lochois. Du coup, pourquoi pas monter une agence à Loches? C'est la communauté de communes qui nous a proposé ce local. Très bien placé, historiquement aussi, toutes nos agences sont situées très près des gares, ce qui permet aux clients de pouvoir venir en train, prendre le vélo juste à côté, faire leur balade la journée, le week-end, et repartir en train directement après, en ayant déposé les vélos juste à côté. Ici à Loches, place de la gare, possibilité de faire quelques réparations vélo, hein, réparations bénignes de vélo, aucun problème. Nos collaboratrices Dorothée et Laurine sont parfaitement formées pour faire des réparations. On propose aussi un service de consigne bagages à côté de la gare. Voilà, vous pouvez déposer à la journée, au week-end, et plusieurs jours même vos bagages. Type de vélo, on a principalement du VTC classique. On a quelques VAE aussi, vélo assistance électrique. On a beaucoup de vélos enfants, des remorques bagages, toute la gamme complète.